Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un colis de la marque Shop Nissa. Alors, on va déballer ça ensemble. Alors, on va voir le colis, voir comment... En tout cas, il est bien emballé. La seule affaire que j'ai enlevée, c'est la pellicule rose qui recouvrait... le colis, tout simplement, le sac, avec mon adresse. Et voilà. Fait que là, on va partir avec ça. En tout cas, c'est très, très bien emballé, hein. OK, il y a des produits qui se barrent. Fait que le transport... Alors... On peut voir les produits. Bon, je vais vous montrer. Oh, la marque Shop Miss. Ah. C'est une marque des États-Unis. C'est une boutique des États-Unis. Tous les produits sont à 1$. Avec les frais de livraison, j'en ai eu pour 5,95 pour les frais de transport. Alors, je vais commencer par vous montrer. Voilà, tous les produits sont comme ça. Sont emballés comme ça. Et c'est aussi, il y a aussi la commande pour moi et ma copine. Ben, dans le fond, la morale de ma fille, Maude. Fait que dans le fond, j'y ai fait. On a fait une commande, j'ai passé commande et on a des produits, on a plusieurs produits, tous nos produits sont pareils. J'ai commandé 40 produits. Donc, dans le fond, on a 20 produits, 20 produits chacune. Alors, je vais vous montrer. On a pris, je vais vous en montrer un qu'un parce que c'est le même. On a pris le... Extra, le rouge à lèvres extra. Je présente comme ceci. Désolée pour le bruit. Et c'est de la marque AOA de studio de ce site-là. Fait qu'on a pris. Je l'ai pris on l'a pris en deux fois. Ensuite, on a pris deux concealers. Ouais, c'est ça. Ouais, deux concealers. Comme ça, c'est les mêmes. En porcelaine, c'est le 2308. Fait que c'est la même. C'est le même. Comme je vous ai dit, on a commandé 40 produits. Dans le fond, j'ai commandé 40 produits. Mais il y a des choses qu'elle sait et il y a des choses qu'elle ne sait pas parce que j'ai rajouté des produits dans notre commande. Ensuite, on a deux rouges à lèvres comme ceci. C'est le Venti. Il est super beau. Mais je vais... Fait, dans le fond, je vais faire des swatchs aussi en même temps. Après ça, on a le... De la marque toujours... C'est toujours de la marque AOA parce que j'ai pris... On a plus pris dans cette gamme-là. C'est le lip gloss, c'est le numéro, c'est le bubble gum, c'est le 1108. Voilà. Mais je vais l'ouvrir avec vous. Fait que dans le fond, on va regarder. Je vais vous montrer. Je vais vous faire des swatchs. Ouais, c'est ça. Tous les produits sont bien emballés, hein, comme je vous disais, hein. Il y a des pellicules en plus de plastique sur le dessus. Vraiment, là. Alors, on va découvrir la pigmentation. Il y a d'autres produits. Il y a des fards à paupières. On a pas mal de produits. On va faire... Je pense que je vais vous faire pour une prochaine vidéo les swatchs de la commande parce que
vu qu'ils sont super bien emballés. Ensuite, on a pris. Ok, ça c'est des crayons pour les sourcils. Comme ça. Toujours la marque Ayo. Oui, j'ai pas besoin de vous dire que toutes les produits. Je vous ai tout dit que tous les produits étaient à 1$. Ensuite, on va passer à ceci. Ça m'intrigue beaucoup. Je pense que c'est des fards à paupières que j'ai commandés. Et on en a plusieurs. Ils sont tous emballés dans des petites affaires comme ça. parce que la chatte est partie avec mon colis. Ok, ce sera pas long. Désolée, mon démon était parti avec le colis, avec un morceau du colis. Mais je vais le laisser là pareil. Alors, j'ai commandé des fards à paupières en plusieurs exemplaires. J'ai commandé les mêmes deux fois. Comme je vous disais, on a des produits. On a tous les mêmes produits parce qu'on aime beaucoup. Mais je vais tous vous les montrer. Je vais les dépacter parce que c'est. Qu'est-ce qui est plus long? C'est les dépacter, je crois. Ouais, Damon, elle veut. Ma chatte Damon veut repartir avec des colis. Alors, je vais vous montrer. On va commencer par celui-là. J'ai pris deux fois dans la teinte Dove. C'est le 2124. C'est un blanc comme ça. Je vais vous le montrer. On va voir la pigmentation. Ouais. C'est quand même bien. Bien. Oh oui. C'est très bien pigmenté. Fait que, dans le fond, tous les produits qui sont en double, c'est pour mode. Ensuite, on a le rosé qui est le 2116. Il est super beau. Alors, je vais vous montrer. Il y avait une petite pellicule. Il est comme ceci. Je vais essayer de vous montrer la pigmentation. La pigmentation est quand même très très bonne. Ouais. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ouais, la pigmentation est très bonne. Puis eux autres, on peut les utiliser même mouillés. Fait qu'ils vont, la pigmentation va être plus, plus là. Ensuite, on a. Bon, je voulais montrer le Dove. Je voulais montrer. Après ça, on a celui-ci qui est le 2113. Le Poétique qui est super beau. Je vais vous le montrer. Il est comme ça. Je vais essayer de vous le montrer. Voir. Il est très très beau. Il est très très beau. Il est très 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 beau. On l'a commandé. Je l'ai commandé en deux fois comme toujours. On a le 2105. C'est le toast qui est comme ceci. Ouais, la pigmentation est là. Hein? Il n'y a pas de souci. C'est super beau. C'est vraiment beau. Franchement, là. Tout. Le toast. Ensuite, on a le bourbon qui est comme ceci. Il fait penser un petit peu au toast, un peu, mais en plus, plus pâle un peu. Il est très, très, très joli. Avec des tons un petit peu orangés. Je vais essayer de vous montrer. Il y a quand même une belle pigmentation.
J'étais en train de filmer la vidéo. Non, c'est ça que je te disais, bébé. Maman est partie avec un morceau du colis. J'ai dû courir après maman. C'est le qu'elle a pris? Non. Non, elle avait pris carrément le produit. Okay. Alors, tu sais, elle vient. Tu recommences la vidéo? Non. On a d'autres produits. Alors, je parlais avec mon chéri. Bon, on a toujours le poétique que j'ai pris toujours en deux fois. Le bourbon que j'ai pris toujours en deux fois. Ça, c'est le safran. Rosé. Rosé, il est supposé être ici. Ouais. On a... ici, on a le bourbon que je trouve qui est très, 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 très joli. Je vais vous le montrer. Il est vraiment joli. Il se présente comme ceci. Voilà, il est très, très, très beau. C'est un rouge. C'est un cuivre rouge. Je vais essayer de vous le montrer même en swatch. Là. Voilà, il est ici. Mais il est super, super beau. Il est supposé d'en avoir d'autres. Il manque un cœur. Je vais regarder après la vidéo parce que je pense qu'il manque un produit. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est le Gabi. C'est le 2103 qui est très très beau. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la couleur. Ce beau bleu-là. Il est super beau. Alors, je vais vous le montrer. Je vais vous le swatcher. Voilà, vous avez de la très belle pigmentation pour 1$. Franchement, là, je vous invite à aller voir sur le site parce que vous pouvez trouver beaucoup de choses. Ensuite, on a de la marque Santé. On a un mascara comme ça, waterproof, en noir, tout simplement. Alors, on a pris deux mascaras. Celui-là, c'est le LA Color, le volume Lash en black. Voilà. Ensuite, on a pris... je vais vous montrer tout ça. Désolée pour le bruit à chaque fois. On a pris un fond de teint. Une bébé crème. C'est la OA Studio Perfect. C'est en teinte médium. Avec prix deux fois. Mais vous allez voir sur la chaîne, je vais vous faire un des tutos make-up. Ensuite, on a pris deux poudres comme ça, translucides. Pour mettre par-dessus le fond de teint. Mais vous allez voir sur la chaîne, vous allez avoir un maquillage complet avec cette marque. C'est toujours de la gamme AOA Studio. J'ai quasiment tout pris de tout ça, à part les deux mascaras. Et j'ai pris un autre gloss comme ça. Ouais, Diamond Lip Gloss. Et celui-ci, c'est le poche, c'est ce qui s'appelle. Et c'est le 1112 que je trouve trop, trop beau. Voilà. Après ça, on tombe dans les blushs. J'ai acheté des blushs aussi. Fait qu'j'ai vraiment pris un petit peu de tout. Pas mal de fards à paupières en mono parce que je les trouvais trop beaux. Mais il y en a plein d'autres sur le site. Si j'ai à refaire une commande, oui.
Alors, je vais vous montrer. C'est, comme je vous dis, c'est les mêmes, OK? Je vais vous en montrer juste un. Comme ça. Une petite rose comme ça. Et c'est de la couleur coral. C'est le 101-6. Fait que c'est celui-là. En deux fois, tout simplement. J'ai tout pris en deux fois. Alors, ici, c'est pour... je vais vous montrer. Je suis trop contente parce que ils sont super jolis. Alors, ça fait penser, c'est de la marque, c'est Spectrum. C'est un... A2O. Ça, c'est de la collection A2O et c'est les Spectrum. Ça fait penser un petit peu à celui-là de Bobby Brown, un peu. Comme ça, avec toutes les couleurs que vous pouvez avoir. Là, ici, vous avez deux fois comme ça en rose. Et celui-là, c'est le... Le 5206, le Rose Squad Blush. Mais je pense qu'on peut l'utiliser aussi en tant que fard à paupières. Fait que moi, je le trouve très, très beau. Et celui-là, l'autre que j'ai pris, c'est celui-ci. Licorne un peu, arc-en-ciel. Et c'est lui, c'est le 5203 de Red Bull Veil. Alors moi, je le trouve trop beau. Fait qu'on va voir ensemble un peu. Vous me direz si... n'hésitez pas à prendre un café. Dans la vidéo, ça me fait tout à fait de ma plaisir. Alors ensemble, on va découvrir un peu. Un petit peu. Alors je vais vous la montrer parce que moi, je trouve franchement là, les 5 couleurs. Vous avez... Non, les 6 couleurs. Vous avez 6 couleurs. Mais... Ah oui. C'est très pigmenté. C'est très pigmenté, oui. Je vais vous montrer. C'est parce que c'est très pigmenté. D'après moi, si on en met pas mal plus, on se beurre la tombe. Mais je pense que celui-là aussi, c'est un highlighter comme ça. Et celui-ci, il est rosé. On peut l'utiliser en tant que blush, mais d'après moi, on peut l'utiliser pour les yeux, comme je disais tout à l'heure. Il y a aussi sur le site, il y a des pinceaux, il y a plein de choses. Des fois, ils font des lots. Des fois, c'est, mettons, 12 produits pour 12$ ou vraiment, franchement, ça vaut vraiment la peine. Puis ça vient des États-Unis. Pour ceux qui veulent savoir. Fait que ça s'appelle Shop Missa. Vous allez voir sur le site, il y a plein de produits. Comme je vous disais tout à l'heure. Mais j'ai pris un petit peu de tout. Mais on va recommander. Je vais sûrement recommander sur le site. Prochainement. Fait que ça n'a pas pris ben de temps à arriver. Voilà. Celui-là, il se présente comme ça. Et je vais essayer de vous les montrer un petit peu. C'est très pigmenté pour 1$. Franchement, là. C'est poudreux un peu. Mais je trouve que ça va. Voilà. C'est très pigmenté, comme je vous disais. Les produits sont tous pigmentés. Je suis pas déçue. Fait que je vous laisse sur cette vidéo. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Make-up. Pour vous montrer. Je vais vous faire un maquillage avec tous les produits que j'ai reçus. Et... on se retrouve à la prochaine. Bye bye!